Je vais vous montrer comment vous pouvez changer le format d'une date sur Excel, le logiciel de tableur de Microsoft. Pour ça, rendez-vous sur Excel et vous voyez que pour l'exemple, j'ai affiché une date en cellule B1 qui correspond à une date de naissance. Donc pour changer le format de la date, vous cliquez sur la cellule, puis vous allez sur l'onglet Accueil juste ici, et dans le panel Nombre, vous retrouvez les différents formats disponibles. Vous avez deux formats de date disponibles par défaut, date courte ou date longue, mais vous pouvez également en choisir d'autres en allant sur Autres formats numériques. À ce moment-là, dans la catégorie Date, juste ici, vous avez tout un tas de formats de date disponible et vous pouvez choisir celui qui vous convient. Et puis ensuite, vous faites OK. À noter également que vous pouvez choisir des formats personnalisés de date. Donc vous allez sur Autres formats numériques, puis vous choisissez Personnaliser et à ce moment-là, vous pourrez définir vos propres formats de date. Donc vous voyez un certain nombre d'exemples de syntaxe que vous pouvez utiliser pour faire un format de date personnalisé avec l'exemple du rendu juste ici. Si vous souhaitez en savoir plus sur les syntaxes de formats de date, je vous renvoie vers ce lien. Vous aurez donc les codes à utiliser en fonction de ce que vous souhaitez afficher. Vous trouverez le lien en description. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.